va proposer au roi des renards et à la reine des ours de se rencontrer pour discuter. D'abord, allons trouver le roi des renards dans son château tout là-haut. Waouh ! C'est une forteresse ! Kaylan, tu crois qu'on arrivera à y entrer ? Il le faut ! Tenez, on va leur apporter des pêches. Je vais en prendre quelques-unes dans mon sac. Tu vas m'aider à trouver le bon chemin pour aller au château du roi des renards. Tiens ! De quelle couleur est le chemin qui mène au château ? Oui, rouge ! C'est le chemin rouge ! Hansa ! C'est bien ça ! Tu as trouvé le chemin qui mène au château du roi des renards. Je suis très contente que tu partages cette aventure avec nous. Et toi aussi, Chin Chin. Reste bien à côté de moi. D'accord, Kaylan. Regardez, voici le château. Youpi, on est presque arrivé. Allons-y. Youpi, youpi. Oh non, les bambous nous empêchent de passer. Oh, elle est gigantesque cette forêt. Je vais vous frayer un passage. Non, rien à faire. C'est une forêt de bambous magiques. Quand le roi leur donne, elles forment une barrière infranchissable pour protéger le château des intrus. Aïe! Qu'est-ce qu'on va faire, Kaylan? J'ai une idée. Si on ne peut pas traverser la forêt de bambous, on va peut-être pouvoir sauter par-dessus grâce à nos super costumes magiques. Comme ça! Tiens! Wow! Vous avez vu? Qu'est-ce qu'elle est forte! On va sauter par-dessus les bambous géants pour se rendre au château du roi des renards. C'est toi qui nous diras de sauter en chinois. Dis ciao. Ciao. Oui, très bien. Encore, dis ciao. Ciao. Allez, plus qu'un saut à faire. Qu'est-ce que tu dois dire? Ciao. Wow, génial! Grâce à toi, on a réussi à franchir la forêt de bambous magique! On a beaucoup de chance de t'avoir pour ami. Oui, tu es notre super ami, merci! Oh! Cachez-vous, voilà des gardes!